Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de ta parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la coupe, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Lorsque nous pardonnons, comme Jésus pardonne, lorsque de cœur nous nous avançons en apportant l'offrande, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, la température est comme moi, belle et fraîche. Aujourd'hui, dans notre célébration, le Seigneur nous appelle à être sel de la terre, par nos gestes et par nos paroles, à être témoins de l'amour de Dieu. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose de ce que je vous ai dit depuis que je suis arrivé. Mais ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur. Alors, on fera le tour d'un peu de cela, et puis nous prions les uns pour les autres, et tournons-nous tout d'abord vers le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Dieu saint, splendeur
Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière du midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu as posé sur moi ta main avec tendresse et serré sur ton cœur, j'ai reçu tes largesses. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu pris dans ta main mon mal et ma détresse, et je me suis levé, j'ai dansé d'allégresse. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu trouvé ta joie au fond de ma faiblesse, et tu as mis en moi ta force et ta richesse. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu Dieu d'amour. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation d'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Plusieurs d'entre vous êtes probablement à la retraite. Mais retraite de quoi? Êtes-vous des retraités de la vie? Votre vie est-elle finie? Est-ce que la société a dit que vous aviez plus d'allure puis que vous aviez plus de contributions à faire? On pourrait penser que parce qu'on s'est retiré du milieu du travail, que la vie se termine, qu'il n'y a plus rien à faire, à part à regarder les feux de l'amour. C'est un running gag, excusez, là. Simplement que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de temps de retraite. Il n'y a pas de temps où on se retire, car la vie chrétienne, elle se vit durant toute la vie. Et encore plus quand on n'a plus les moyens d'être aussi actif et contribuer autant à la société. Mais alors, quelle serait la contribution des chrétiens qui sont vieillissants? Quelle serait-elle? Vous le savez, la contribution, c'est votre sagesse. Vous avez à passer à travers la vie. Vous avez passé à travers les épreuves, vous avez traversé les joies, vous avez traversé tout ce qui se passe dans la vie. Et aujourd'hui, vous arrivez avec la sagesse. La sagesse de savoir que peut-être que ce n'est plus sur nos propres forces que nous pouvons compter. Nous devons compter sur l'aide des autres. Nous devons compter sur le soutien des autres. Que notre vie n'est peut-être plus aussi productive que la société nous habitue à être. Mais cela ne veut pas dire qu'on a fini. Car l'amour ne finit jamais. La tendresse ne finit jamais. Peu importe notre situation, peu importe ce que nous vivons, nous sommes appelés à témoigner de notre vie. Je sais, vos enfants vont dire que vous radotez. Ça fait des centaines, des milliers de fois que vous racontez votre histoire, que vous racontez vos histoires. Est-ce qu'ils ont entendu parler de ce qui était important pour vous? Est-ce qu'ils ont entendu parler de ce que vous vivez maintenant? Vos joies, vos peurs, vos craintes,
vos espérances? Est-ce que vos enfants ont entendu parler de ce que Dieu a fait dans votre vie? Est-ce que votre foi vous a aidé dans votre vie? Ce n'est pas simplement de raconter l'histoire de Jésus que de pouvoir être témoin du Christ, mais de voir les effets que l'Esprit-Saint et que la parole du Christ a fait en vous. Si vous êtes venu à l'Église et n'avez rien retenu à chaque semaine, pauvres vous autres, vous auriez dû écouter les reprises des Feux de l'amour. Non, simplement que notre foi, elle nous fait poser des gestes dans la vie. Moi, je me souviens, ma mère n'était pas tout le temps contente, mais mon père, lui, avec sa foi, avec sa confiance, il arrêtait tout le temps sur le bord des autoroutes pour ramasser des pousseux. On était quatre enfants dans la voiture, c'est pas grave. Lui, il a besoin, on va l'aider. Vous savez, aider, prier, soutenir, témoigner, ça appartient à tout le monde. Au plus vieux, au plus jeune, il faut que cette vie du Seigneur puisse circuler. Que vous puissiez aussi donner cela en héritage à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis. Cela ne doit pas rester dans le secret de votre cœur. Vous allez me redire encore, « Ouais, mais je leur ai déjà dit tout ça, puis ils ne m'écoutent plus. » Correct. Alors, parlez à d'autres mondes. Parlez à d'autres mondes. Il y en a qui veulent écouter. Il y en a qui veulent entendre. Il y en a qui sont intéressés à savoir ce qui se passe en vous, qui veulent vous écouter, qui veulent savoir ce que vous savez. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous avons du goût encore pour le monde d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez remarqué le texte sur la page couverture du SCG, sur la mort à venir, comment l'Église en parle. Comment l'Église veut en parler. Simplement que cela veut dire que nous n'avons pas nécessairement allé selon le goût de la société, selon la mode du jour, selon ce que notre société nous dit. Nous avons choisi de suivre le Christ, de vivre avec le Christ. Et c'est avec lui que nous voulons faire nos choix, que nous voulons choisir ce que nous ferons de notre vie. Oui, la société nous propose un modèle, mais le Christ aussi en propose un. Dieu nous en propose un. Avant de le discarter, avant de dire qu'il n'a pas de bon sens, prenez au moins le temps d'y réfléchir. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande encore de pouvoir être fidèles, de pouvoir être des disciples fidèles et proclamer son amour pour le monde, pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons.
Nous sommes les disciples du Christ, celui qui nous montre le chemin vers le Père et qui nous envoie l'Esprit Saint. Levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si tu appelles, le Seigneur répondra, nous assure le prophète dans la première lecture. Solidaire des besoins des femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous adressons, Seigneur, en toute confiance, ces intentions de prière pour l'Église et le monde. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les petits groupes de partage de la parole et d'engagements sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leurs activités d'entraide, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavorisés, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit-Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Seigneur, je te présente une malade en particulier. La semaine dernière, j'ai appris que ma mère cessait la chimiothérapie pour entrer dans un processus de fin de vie. Alors, je vous invite à prier pour elle. Je vous invite à la porter dans votre cœur et toute la famille, si vous pouvez. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont des malades à porter, qui vivent cette situation aussi. Je vous invite à les porter eux aussi, afin qu'ils sachent que nous les gardons dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de celle de la terre et de lumière du monde. Que ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie devient entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde.
sans tout saisir, sans tout comprendre, et sans même le voir, et sans même le voir. Le contempler et puis l'attendre jusqu'à le recevoir, jusqu'à le recevoir. Bien au-delà des apparences, c'est bien le pain de vie qui sur nos routes d'espérance réconforte et nourrit, réconforte et nourrit. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour les défunts des familles Peterson et Fontaine, ainsi que pour le 7e anniversaire de Jules Lemieux. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, tournons-nous vers ce Dieu qui nous aime, tournons-nous vers ce Dieu qui est auprès de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans la charité, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Agneau de Dieu.
Invité au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie.
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je dois déjà vous annoncer une bonne nouvelle. On a un nouveau thème. C'est pas celui-là, ça c'est l'ancien. Vous l'avez dans votre SCG, dans la page, c'est marqué « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Ce thème se veut dans un temps de bouleversement, un temps de changement, que ce soit même de changer d'appartement ou de changer de maison, de changer d'occupation, de retrouver la vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On va garder les yeux sur le Seigneur. On va garder les yeux sur le Christ, puisqu'il nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et on a choisi vraiment le « je suis avec toi » au lieu de « je suis avec vous, les disciples », mais chacun, nous avons besoin de lui. Et alors, c'est un peu ce que je vous explique dans l'article. Si vous n'avez pas la chance de le lire, faites-vous le lire. Hein, y a du monde qui peut vous le lire, ça vaut la peine. Alors, simplement que ça sera le nouveau thème de l'année. Si on n'a pas la banderole, ça cause que, bon, j'ai pas pris le temps de le faire. On va donner les excuses à la bonne place. C'est moi qui n'ai pas pris le temps de le faire. Donc, ce sera un tout nouveau thème. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est en gardant les yeux sur le Christ que nous trouverons le chemin. Deuxième chose, les reçus d'impôts ont été imprimés aujourd'hui. Je ne peux pas vous les offrir aujourd'hui. Ils ne sont pas classés. Tu sais, vous savez, l'informatique, c'est tellement beau, tellement génial, sauf quand on ne pèse pas ses bons pitons. Alors donc, les reçus d'impôts vont être classés. Si jamais vous voulez absolument l'avoir, je vous invite à un peu d'indulgence, puis je courrai pour aller vous les chercher. C'est à peu près classé, mais pas tout à fait. Alors, je peux les retrouver assez rapidement, mais je vais vous demander de la patience si vous voulez les avoir aujourd'hui. Alors donc, concernant la nouvelle avec ma mère, bien, je vous annonce que jeudi et vendredi, je ne serai pas au bureau. J'ai choisi de prendre du temps avec les parents. Donc, si vous voulez avoir quelque chose, dépêchez-vous, lundi, mardi, mercredi. Alors donc, simplement que je vous invite à un peu de miséricorde, mais aussi, si vous avez besoin, dites-le, et je suis toujours disponible pour vous autres. Levons-nous pour maintenant partir à travers le monde, proclamer notre amour du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Bonne soirée à tous. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde, par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'Évangile. Sois le sel du monde.
avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Merci, bonne semaine.